aussi loin que porte le regard, aucune trace de la main de l'homme. Juste la nature, sauvage. Des paysages aux allures de bout du monde, semblables à ce qu'ils pouvaient être il y a des centaines d'années. Bienvenue en baie d'Oti. Un pied en Nord-Pas-de-Calais, l'autre en Picardie. Le fleuve Oti marque la limite naturelle entre ces deux régions. Nous sommes dans l'un des derniers estuaires totalement préservés en Europe. Les espèces animales et les plantes maritimes s'épanouissent en toute liberté sur l'estran, ses immensités sableuses, sur les molières, ses vastes zones de prés salés, ou encore le long du cordon dunaire. C'est avec Jonathan, jeune guide nature, que nous allons partir à la découverte de la baie et de ses trésors. Ensuite, Jonathan nous emmènera à la rencontre d'Alain, le pêcheur à pied. De Didier et Sébastien, les vieux loups de mer de la baie. De Marie-Hélène et Jean-Louis, les amoureux des phoques. Avant que nous ne retrouvions Joël, le chasseur à la hutte et ses rêves de nuit magique. Enfin, avec Georges, nous irons faire connaissance avec les peintres de la baie. Mais d'abord, allons-nous promener dans ces paysages aussi rares qu'étonnants. La baie d'Oti, c'est un estuaire de 20 km². On l'appelle souvent la petite sœur sauvage de la baie de Somme, parce qu'autour, vous pouvez observer, il n'y a aucune construction. Le conservatoire du littoral, ici, a mis son droit de préemption sur l'achat des terrains, a acheté beaucoup de terrains de manière à les conserver, les préserver et les mettre en valeur pour le public. Voilà de la salicorne. La salicorne, c'est vraiment la plante emblématique des prés salés. Une plante halophile, adaptée à se faire recouvrir par la mer, à un taux de salinité très très important. Et c'est la meilleure de la baie. C'est vraiment une plante avec un goût vraiment mémorable. L'autre nom de la salicorne, c'est passe-pierre. Parce qu'autrefois, on l'a récoltée après le 29 juin. Donc la Saint-Pierre, simplement. Donc passer la Saint-Pierre, passe-pierre. Une plante utilisée par les marins pour lutter contre le scorbut. Vraiment une plante aux multiples fonctions et vertus et qui se gardait très bien. Un des milieux que j'apprécie tout particulièrement, c'est la slick. J'en perds ma chaussure. En fait, c'est un milieu très collant, très attachant. Donc un mélange de sable et d'argile, très riche, notamment en invertébrés. Tous les petits trous qu'on peut observer à la surface de la slick, en fait, renferment un ver. Ce ver, c'est le Nereis diversicolore. Et donc ici, on peut voir au cœur de la carotte, deux vers. Et donc ça, le Nereis diversicolore, c'est un bien grand nom. On l'appelle également la verrouille. C'est plus facile à retenir. Donc la verrouille, vous aurez compris pourquoi. Simplement, de la couleur de la rouille. Très très nombreux, les scientifiques estiment qu'entre 5 et 25 cm de profondeur, on peut en trouver jusqu'à 5000 au mètre carré. Donc vraiment très très nombreux, ceux qui participent au banquet de tous les oiseaux de la baie. C'est le garde-manger. La baie d'Oti, c'est le garde-manger des oiseaux. Et ici, avec un peu de chance, on va pouvoir observer des tas d'ornes de belon, des avocettes élégantes, des petits gravelots à colis interrompus, des bécassos. Il y a vraiment des oiseaux qui étaient rares, qui reviennent maintenant un peu plus fréquents grâce à leur protection. C'est vraiment des oiseaux qui vont parfois hiverner ici, d'autres qui sont en passage. Certains passent la belle saison chez nous, redescendent en Afrique pour passer l'hiver. Pour l'observation, au niveau des ornithologues amateurs, même professionnels, c'est un endroit qui est magnifique et qui est très très intéressant. Quand je vois ici, on a vraiment des trésors. Et moi, mon but dans ce métier de guide, c'est vraiment de préserver ces trésors, de participer à leur protection, mais également à leur valorisation. À la base, la baie, pour moi, c'est un immense terrain de jeu. Déjà, quand j'étais enfant, j'y venais souvent. Mes parents, on allait pêcher au grappin, on allait récolter des moules dans les rochers. Et par la suite, un terrain, oui, de découverte. C'est un attachement très profond
Je pense que c'est viscéral, hein. Quand on est au cœur, on se sent tout petit et c'est vrai qu'on peut dire qu'elle a une âme. On y vit, mais elle nous habite également. Et lorsqu'il se promène dans la baie, au petit matin, Jonathan ne croise pas grand monde. Parfois, ici ou là, dans les Molières, un pêcheur à pied. Comme Alain, fils, petit-fils et même arrière-petit-fils de pêcheur à pied. Salut Alain, qu'est-ce que tu fais de beau? Ça va? Bah ça va et toi? Ah ouais? Alors? Bah j'ai envie de manger quelques petites palourdes. Comment tu vas? Ça va? Mais t'en trouves? Comment tu les repères? Alors moi je les repère la petite étoile là, tu sais la... Tiens, bah là, regarde là, tiens. Là, on voit très bien la... L'étoile, là, l'étoile, c'est bien formé, hein. Avec le petit trou au milieu là. Ouais, tu vois, j'ai vraiment pas l'habitude, j'ai plus l'habitude d'aller à coque. Bon, la coque c'est plus facile parce qu'elle est moins profonde et puis ils sont plus concentrés. Mm-hmm. Là, les palourdes, il y en a une là, il y en a une là-bas, il y en a une là-bas quoi. Tiens là, en voilà une là. Voilà, ces petites caractéristiques là. Alors, tu vois. Et... Ah ben voilà, là voilà. Elle est belle celle-là, ouais. Voilà, donc elle fait bien la taille, 4 cm, c'est parfait. Alors, regarde ça, c'est beau reflet noir. Du noir, des du noirs, gris. Du blanc, du gris. Tiens, tu vas la goûter. Cru? Oui, en bas cru. T'as la cuisson n'a pas tué la mer là, quoi. Ah, tu l'as tout de suite la mer là. Voilà. Je t'avouerai que c'est la première fois que je vais manger une palourde crue. Tiens, vas-y, je te laisse prendre. Écoute, voilà, merci. Vas-y. Bon, il y a quand même un petit peu de sable, parce que moi je l'ai fait dégorger un petit peu. Un petit côté craquant, oui, c'est vrai, voilà, croustillant, c'est mais. Non, c'est bon. Très, 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 très bonne. Ah, ouais. J'ai envie de dire que ça a un petit goût de rien-y. Ben ouais, on va voir ça. Si on va retrouver, je pense, il n'y a pas de souci. Hein. Bah, ouais. On va manger un peu de salicorne, on va goûter un peu de. La belle aubione, là, tiens, ouais. Tu vois, voilà. Alors moi, l'aubione, donc là, je choisis les belles feuilles. Hein. Oh, tu peux la manger comme ça, mais moi je la fais sécher un petit peu sur les papiers de sopalin. Mm-hmm. Puis après, je la mets dans mon grill, dans le four, mm-hmm. comme une chiffre de pomme de terre. D'accord. Voilà. Et ça, tu manges ça à l'apéro. Alors. Hop, voilà. Tu veux la goûter? Allez, vas-y. Bon, j'aime bien les épinards, mais ça c'est autre chose que l'épinard. Ah, c'est au-dessus. Puis alors, tu manges la baie, quoi. T'as la baie dans l'assiette, quoi. Ah, bon, on a la chance à côté, tiens, on a l'Aster Maritime. Dites oreilles de cochon. Je refais dans une poêle rissolée un petit peu d'oignons, d'échalotes. Je mets quelques petites machins d'ail. Et je les passe à la poêle 5 minutes. Et tu te retrouves encore ce goût aussi de la mer. Quoi. La baie, bah, c'est un petit peu mon garde-manger. Hein. Ouais. Des palourdes, quelques coques. Tout à fait. Ici, je pense que la personne qui meurt de faim à Fort-Moreau, dans la baie, elle va retrouver une partie coin. De. Voilà, elle n'est pas du coin. Je suis né ici, la baie c'est toute ma vie. Quoi. Mais là j'ai trouvé mon bonheur. La preuve, regarde aujourd'hui, on est là tous les deux, là, au plein milieu de la baie, on n'entend rien, on entend le son de la mer au loin. Ça n'a pas de prix quoi. Il y a un siècle encore, la baie nourrissait des familles entières. Des dizaines de bateaux de pêche naviguaient alors dans ces eaux poissonneuses. Puis les bateaux de pêche ont déserté. Pour laisser Loti devenir, au cours des ans, le royaume d'une poignée de plaisanciers. Bon, ça va, DJ? Et toi, fais attention de pas glisser. Hein, j'embarque. Prêt pour la baie Loti? C'est parti. C'est avec Didier et Sébastien que Jonathan embarque maintenant. La baie, c'est un peu leur jardin, eux aussi. Ensuite, faut que tu accèdes à l'échelle. Voilà. Au fil des années de navigation, ils ont appris à la connaître, à la comprendre, à lire en elle. Jusqu'à se méfier de son visage parfois trop bienveillant. Forcez la manœuvre, capitaine. Attends, tu voulais connaître la baie, tu la connais maintenant. Le gros avantage de la baie d'Auty, c'est qu'on peut naviguer en hiver. Si ça souffle un peu fort, c'est quand même un plan d'eau bien abrité. Ouais. Et un peu. Ben, ça permet de naviguer toute l'année. Quoi. Et là, pour vous, ça souffle fort ou pas? Là, oh, ça va encore. C'est pas mal. On sent vraiment la force de la nature et la force de la mer rentrer dans la baie. C'est vraiment quelque chose de... assez incroyable et de magique.
c'est quand même des conditions typiques, hein, on va dire, hein, typiques de la Réunion. On part avec le soleil, on revient avec la pluie. Ouais, ça arrive souvent. On sait que c'est très dangereux, la baie d'Authie, quand même. Hein. Je veux dire, on sait qu'on ne doit pas rigoler avec elle. Hein. On a eu la chance, Sébastien et moi, d'avoir des gens qui nous ont bien appris à connaître cette baie, et puis à connaître notamment tous les mouvements de marée, et ainsi de suite. Et qui fait qu'aujourd'hui, bon, je peux considérer qu'on la maîtrise. Moi qui ai l'habitude de voir le flot arriver à pied, en bateau, on ressent vraiment la force, et c'est vraiment très impressionnant. Ouais. Bon, tu vois, Jonathan, on discute, mais tu vois, là, je m'aperçois qu'il y a un petit banc de sable qui est juste là-bas devant. On va y aller. On va devoir virer, là. Ouais. On peut aller naviguer une semaine, on va aller explorer des coins en Angleterre, des coins magnifiques, et dès qu'on rentre, la baie d'Authie, on se dit, mais... C'est magnifique, qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce qu'on allait courir après quoi? Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a toujours un plaisir à rentrer dans notre baie, c'est vrai. C'est la première fois que je découvre vraiment réellement un voyage aussi long cours, si je peux dire, la baie différemment par rapport à mes sorties à pied. J'ai toujours des surprises et des choses à découvrir, c'est vraiment superbe. Pour qui sait la regarder, la baie montre des visages bien différents. Depuis quelque temps, de nouvelles espèces étonnantes sont revenues la peupler, après un siècle d'absence. Elles en sont devenues les stars, et n'hésitent pas à se donner en spectacle en bordure de plage. Une colonie entière de phoques et de veaux de mer, friand des bancs de poissons et du terrain de jeu que leur offre l'estuaire. Ils ont même trouvé ici leurs parents adoptifs. Marie-Hélène et Jean-Louis se sont pris d'affection pour eux, jusqu'à venir chaque jour relever leurs habitudes de vie et les faire découvrir aux touristes, venus parfois de loin, juste pour les apercevoir. Très allongés, un peu comme une tête de cheval. Voyez, on les entend là. Vous entendez les phoques gris, là, ce qu'on a entendu, c'est les gris. Bah ici, il y a eu une naissance, trésor. C'est une femelle qu'on connaît depuis 4 ans. Sur les bancs de sable, ils sont toujours en alerte. Dans l'eau, ils sont dans leur élément. Pour aller les mettre en Écosse. Oh, attendez. Même si vous baignez, ils peuvent venir à 1 mètre de vous, 2 mètres. Mais il n'y a aucun danger, hein. C'est des animaux très pacifiques. Vous en avez encore un dans l'eau, là, c'est... Juste devant, là. On va jeter un petit coup d'œil sur les veaux marins, là. Allez, là, il y en a 3, ils sont mignons comme tout. Ah bon, en effet. Ah oui, il y en a un qui fait la roue maintenant. Il a du public, il est content. Oui, oui. Ah, ils sont cabotins. Ils sont en train de se faire dorer la pilule. Et puis il y en a un qui est en train de joindre ses pattes de devant. On dirait qu'il pêche. Ça fait une dizaine d'années qu'on en voit. Avant, on n'en voyait pas du tout. Oui, t'as raison. Mais là, c'est ça. Il y a une semelle devant et un mâle derrière. Ah ouais. C'est plus confortable. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils sont souvent des rangers. Vous voyez bien, hein. Des gens qui s'approchent, des bateaux qui vont trop près. Les phoques veaux marins étaient présents bien avant, au 19e. Il est revenu naturellement en baie d'Authie. Il n'y a pas eu de réimplantation. C'est vraiment une espèce qui est revenue dans un milieu qui lui était favorable. À partir du moment où ils sont protégés, donc la chasse interdite, les phoques sont revenus dans leur milieu. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient là. Ils se mettent sur ces bancs de sable pour se reposer. Ah ben c'est sûr que c'est très important pour eux, c'est même vital de pouvoir se mettre sur les bancs de sable. Ils passent à peu près un quart de leur vie sur les bancs de sable, ce qu'il n'y a pas en mer finalement. S'il n'y a pas trop de dérangements, ils s'implantent la baie de Canche. Ils ont trouvé une zone mais où il y a souvent des gens qui passent. Donc on voit très peu de phoques en baie de Canche, parce que ce n'est pas assez tranquille. Ils ont besoin de tranquillité. Ça fait 13 ans qu'on fait le suivi. On va répertorier le nombre de phoques gris, le nombre de phoques veaux marins, essayer de voir s'ils sont fidèles à notre région, essayer de voir les femelles qui sont pleines. La mortalité, les naissances, etc. Si on sensibilise les gens à un milieu, ça leur permet de mieux le respecter. Et puis ça leur permet de découvrir ce très beau spectacle. Et puis c'est quand même superbe de pouvoir voir des animaux sauvages dans leur milieu naturel sans les déranger. C'est vrai que la baie d'Authie, c'est un beau bureau. Hein. C'est un beau bureau. On ne s'en lasse pas, quoi. C'est vraiment un spectacle merveilleux. Quoi. Il y a pire comme lieu de travail, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ha ha ha!
À la tombée de la nuit, pour qui savent les entendre, il n'est pas rare que dans la baie se murmurent des histoires de chasseurs à la hutte, de celles que l'on se raconte les longues nuits d'hiver. Cette chasse ancestrale ne se pratique plus guère qu'ici et dans les environs. Joël la tient de son père et de son grand-père. Cette nuit encore, avec Paul, son fils, ils vont attendre patiemment, tapis dans leur hutte, que les canards sauvages viennent se poser sur leur mare. Bonjour. Bonjour. Alors, on va passer une nuit de hutte. Ben voilà. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Vous préparez on va les canards préparer nos aplans pour la nuit. Et donc, un poids. Des poids pour éviter qu'elles se sauvent et puis qu'elles restent à la place où on veut bien les placer. Et donc, le principe des aplans, bien sûr, c'est d'attirer de manière auditive leurs congénères sauvages, c'est voilà. Ça. Et les faire poser le plus près possible à portée de fusil. Les faire poser là. En face de la hutte. C'est un idéal. C'est pas une science exacte, j'imagine. On est un peu comme des coachs qui allons organiser une équipe pour faire un match en plaçant nos joueurs, nos cannes, à un endroit stratégique pour pouvoir attirer les congénères. Et c'est vrai que c'est un challenge de les faire poser rien qu'en baie d'Oti. Voilà. C'est vraiment ce que vous recherchez, vous savez. Voilà. C'est d'être la nuit, de voir arriver le gibier et puis de le voir poser au champ des aplans. C'est une émotion qui est incroyable. Enfin, c'est la récompense. On a l'émotion qui monte, l'adrénaline. Puis après, il faut rester quand même concentré, silencieux, aller très vite, sans faire de bruit. Et, parce que c'est un canard qui est très méfiant, hein, un canard sauvage, un oiseau qui est très méfiant. On vient un peu dans l'espoir d'avoir une nuit magique et de remplir nos rêves, de voir beaucoup de migrations et d'avoir plusieurs pauses la même nuit. C'est quelque chose qui est dans le rêve de tous les chasseurs de gibier d'eau. Cette nuit magique, pour toi, ce serait de... Ça sera pas cette nuit. Ce sera pas cette nuit. Mais je ne pense peut-être, pas. Peut-être. Là, c'est des choses mais dont c'est on l'espoir. Hein, la hutte, c'est fait que d'espoir, pratiquement. Eh bien, Joël, Paul, merci de votre accueil. Venu. Merci de toutes vos explications. Donc, est-ce que je peux vous souhaiter avoir une pause. Une bonne pause. Bon, bah, une bonne pause. Déjà à bientôt. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Je suis issu d'une famille de chasseurs et de chasseurs aux migrateurs, chasseurs à la hutte. Et ça remonte à plusieurs générations. J'avais ma grand-mère qui allait à la hutte déjà. C'est parti pour la nuit. Il y a quand même une fierté d'avoir transmis une passion familiale. C'est un relais qui passe, quoi. C'est... Il m'a appris à être patient aussi, parce que ça, c'est important. Ça fait partie de nos vies, ça fait partie de nos habitudes. Et je ne vois pas comment je pourrais m'en passer, franchement. Cette nuit-là, Joël ne verra aucun canard se poser sur sa mare. Mais finalement, qu'importe, il reviendra demain, et après-demain encore. La baie comme une palette de peintre, avec ses lumières toujours changeantes, mosaïques de couleurs et de décors. Elle inspirait déjà les peintres à la fin du 19e siècle. Et depuis, rien n'a changé. Au musée de Berck-sur-Mer, Jonathan retrouve sur les toiles les mêmes paysages qu'aujourd'hui, les mêmes vues que celles qu'il fait découvrir dans la baie. Tout est à l'identique. Les mêmes dunes de sable, la garenne, le même environnement préservé. Ce qui est intéressant avec le tableau de Francis Tadgrain ici, son autoportrait, c'est que Tadgrain se représente non pas dans son atelier, mais il se représente
en extérieur, dans les dunes. Francis Stadgrain va, pendant toute sa carrière à Berck, il va peindre pendant plus de 40 ans, lui, à Berck, va toujours être quelqu'un qui va être dehors, 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 toujours sur l'extérieur. Il avait acquis en bordure de baie à peu près 115 hectares entre Berck et Groflier. Ouais. Donc là, il est chez lui. Besoin d'espace. Ah oui, besoin d'espace, besoin de tranquillité, parce que comme le Pic, son maître, il trouve que Berck devient impossible à vivre, il y a trop de touristes. Et donc Stadgrain, lui, va partir s'installer un atelier en fond de baie d'Auty. Alors c'est le tout petit toit rouge que l'on voit ouais. ici. Cette baie qu'il contribue à entretenir, d'une certaine manière, qu'il contribue à préserver, elle est considérée comme véritablement le refuge. C'est l'endroit où un peintre, un artiste peut encore se retirer. Il peut quitter Berck, il peut quitter cet endroit qui grouille de monde, qui devient infernal, parce qu'on a construit le front de mer n'importe comment, c'est une horreur. La baie d'Auty, c'est le refuge naturel. Comme aujourd'hui. À deux pas de Berck. Voilà. Ce qui est intéressant par rapport aussi à la pertinence du peintre, c'est comment est bien suggérée la nature de la végétation. Mmh. Hein. On entend pratiquement les passe-pierres. Ouais, hein. On sent que ce sont des ouais, presses salées. On sent que c'est humide, que ça a été recouvert il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que c'est très bien retranscrit. Là... On imagine qu'on est à peu près à un quart d'heure de marche de son atelier de Berckville, enfin oui. Berck-Plage plutôt. Et là, on a la vue sur son territoire, c'est-à-dire les garennes qu'il possédait en partie et puis au bout desquelles se trouvait l'atelier qui était donc sur Groflier. Donc là, c'est exactement au milieu de la nature. Au milieu de la nature et à l'écart du Berck encombré et invivable à cause des touristes. Dans son écrin préservé. Et voilà, on a vraiment la perspective qui montre bien, en partant de l'ouest vers l'intérieur, la baie avec un spectacle qui change tout le temps, puisque selon la marée, marée basse. Il n'y a pas deux tableaux qui seront identiques. Mm-hmm. On a le cordon de dune, la dune qui est la limite entre l'univers ciel, mer et puis l'univers terre, et puis les garennes intérieures qui sont le domaine dans lequel Stadgrain vit, peint, chasse et qui sont vraiment son lieu d'élection. Quand on regarde cet endroit-là, si on ne se retourne pas, finalement on ne sait pas quand on est. Quoi. Oui, c'est assez fabuleux. On pourrait mettre n'importe quelle date en dessous, sur un tableau. Absolument, hein, on peut s'imaginer dans une toile. La baie ne change pas. Avant moi, des personnes étaient vraiment sensibles à cette nature et ont réussi à la garder comme elle est maintenant, sauvage. Traditionnellement, c'est vrai que quand on se promène, à part les locaux, les gens du coin qui la connaissent et qui viennent parfois profiter de l'air pur et de ces magnifiques paysages, on ne va pas rencontrer beaucoup de monde. C'est pas plus mal, il faut la mériter, donc il faut la chercher un petit peu, la baie, pour la découvrir. C'est vraiment en ça que c'est un petit paradis. Si au cours des siècles, l'homme a parfois tenté d'aménager la baie, aucun projet n'est finalement jamais venu l'endommager. Il y a bien l'érosion qui, petit à petit, grignote le cordon dunaire et fait la mer gagner sur la terre, jusqu'à 100 mètres en 20 ans. Mais les hommes ont été sages. Leur site est préservé. Le rêve des enfants de la baie est que leur petit paradis reste intact. Pour l'éternité.